Thank you.
Louis Veillère, décoré de la TRM. Le Guéala, la médaille militaire. Théier François, de la TRM. Robin Bernard, de la TRM. Ils sont décorés avec leur accord ou sur leur demande par un de leurs anciens officiers ou sur le fond d'Algérie, présents aujourd'hui parmi nous. Je leur demande de se rapprocher de nous dès la sortie de l'église. Le micro. Sont venus nous rejoindre pour refonder des amitiés antérieures par Cherbourg et Dinan. Ils sont les bienvenus. Permettez-moi d'être votre interprète pour adresser nos vifs remerciements
à Louis Veillère et à travers lui la municipalité qui nous offre le vin d'honneur et par ailleurs en mettant à notre disposition les moyens matériels nécessaires permettant à notre amicale d'organiser ce rassemblement dans une excellente condition. Merci également au président d'association, aux musiciens, toutes générations confondues, à M. le curé, à la gendarmerie, de nous accompagner, qu'ils soient tous chaleureusement remerciés. Anciens du 31e RA, souvenez-vous, dans ce conflit qui nous appartenait pas de choisir, nous avons fait notre devoir, nous avons servi loyalement, cantonnés dans la région de Sétif, tous nous avons eu des moments plus ou moins difficiles. Nous avons connu la peur. Bonjour à toutes et tous. Je ne reciterai pas tous ceux qui ont été cités par Yves Renaud, maire adjoint de Château-Giron, et par votre délégué. Je me présente, je suis Louis Baird, conseiller départemental de ce canton de Château-Giron. Je voudrais vous dire tout le plaisir que j'éprouve ce matin à participer à votre journée annuelle de retrouvailles. Moi, je crois que c'est très bien d'avoir choisi Château-Giron, mais je pense que vous y plaisez, puisque ce n'est pas la première fois que vous venez. Château-Giron, une petite cité de caractère, et je pense que vous pouvez en profiter en visitant ces rues. Et je voudrais aussi dire merci à Louis Vaillet. Lui m'a pas contacté le 29 avril 2015, mais il y a bien 6 mois qu'il m'en a parlé, et il m'avait demandé de noter sur mon agenda le 20 avril, sans trop savoir ce qui m'attendait. Voilà, on peut le reconnaître. Jamais, et je crois que je pouvais lui faire confiance. Tout ce qu'il a fait depuis, combien ça fait 54, ça doit faire 62 ans que je le connais, et tout ce qu'il fait, il le fait bien. Parce que Louis Vaillet, c'est un des rares. Que ceux qui sont avec lui lèvent la main, c'est un des rares ici présents qui a participé à la mise sur pied du 31 au Mans en fin novembre 55. Ça a été, alors on venait d'Allemagne, on nous a dit servez-vous, il y a tout le matériel, on a réussi quand même avec 3 GMC d'en faire marcher un, et puis le reste à là-dedans. C'est vrai, voilà. Bon, c'est tout. Bon, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous allez pouvoir vous approcher de la table, prendre un verre d'amitié. Voilà, merci.